yield sign. Yo bande de geeks, c'est Takafut, j'espère que vous allez bien, mais écoutez moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, donc oui on va avoir une série sur FIFA 15. La série n'a pas encore de nom pour être honnête avec vous, selon le moment où vous verrez cette vidéo j'aurai trouvé un nom, enfin j'espère. Donc, je vais vous demander votre avis sur Twitter, on va voir ce que vous allez me dire. Donc on se retrouve une petite série toute simple. Pas compliqué pour l'instant, c'est vraiment tout simple, je me suis pas cassé la tête. Il s'agit de tout simplement de gagner la coupe or, donc tout simplement avec les deux équipes que j'ai. Je vais vous montrer vite les équipes que j'ai. Voilà une petite ligue 1, je vous montre pas les joueurs, je crois peut-être qui c'est un... Comment que ça s'appelle, un squad builder qui est dessus, on verra. Il manque un joueur, voire deux, il manque un petit Sirigula et un petit Thiago Silva là. Et l'équipe pour moi sera nickel. Et j'ai une deuxième équipe que Zizou m'a faite. Une petite équipe un peu cheat on va dire. Entre guillemets. Avec Ibarbo et So devant, que je vais remplacer d'ailleurs par Jovinko. Que je trouve meilleur perso. Il y a plus de vitesse et. Ouais, je le trouve un poil meilleur. J'arrive mieux que Jovinko en tout cas. Donc voilà. Cette série, je la ferai pas en condensé. Pourquoi je ne les ferai pas commencer tout simplement parce que j'ai une série qui va revenir, une série que j'avais sur FIFA 13 qui va revenir, qui en condensé. Et c'est pour ça que cette série-là, je me suis dit, on va la faire avec des matchs en entier, à l'ancienne, à la bonne vieille franquette, comme on dit. Donc voilà, on va faire des matchs entiers. D'ailleurs pour la série qui va revenir, j'en parlerai très prochainement dans un vlog. Normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, le vlog sera déjà sorti. Donc voilà, enfin regardez la vidéo tout simplement. Donc voilà, on va partir de suite en match. D'ailleurs, je crois qu'on va pas prendre cette équipe là, elle est pas en forme celle-là. Ouais, on va prendre la Ligue 1. En plus j'ai des conneries, il manque Thiago Silva Sirigu et il manque à la place de la casette un petit Geniac Boost. Mais pour l'instant j'ai pas trop les moyens, dès que j'ai des crédits j'ouvre des packs, c'est un peu mon péché mignon. D'ailleurs j'ai quelques joueurs, depuis le pack opening j'ai eu un autre boost, parce que l'on voit sur Twitter, j'ai eu Gila Budget Boost et un petit Iniesta et des petits joueurs à 20 000, un joueur chourleux, un truc comme ça. Enfin bref, on va partir de suite. Hop, compétition en ligne. Je l'ai tenté une fois, pour être honnête avec vous. J'ai perdu en demi-finale. Oui, en demi-finale, c'est ça. Contre un mec qui laguait, donc c'était pas le top. Donc voilà, on va partir. Tout le monde est en forme. En fait, j'ai même pas regardé. Ouais. Bon, allez. On va partir en cherchant un adversaire. Donc on espère en trouver un adversaire, parce que des fois ça galère un petit peu. J'ai pas fait beaucoup de matchs aujourd'hui, j'ai fait faire deux matchs à tout casser, après on a fait du 2v2 avec Alpha. Donc je suis pas très 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 chaud. Puis j'ai pas de musique dans le casque, d'habitude j'ai toujours un petit peu de musique. Peut-être que pour les prochains épisodes je mettrai de la musique dans mon casque, parce que ça motive un peu quand il y a de la musique dans le casque. Allez. Je crois que ça va pas trouver un adversaire. Donc ce que je vais faire, une petite ellipse. Et on se retrouve de suite dès qu'on a trouvé un adversaire. Donc voilà, on a trouvé un adversaire qui est le maillot du Barcelone. Les maillots de Barcelone, pardon. Et le logo du Barcelone. Et le tout du Barcelone. Est-ce qu'il est l'équipe de Barcelone? Attention. Non, il est... si, presque. Presque. Il a presque l'équipe de Barcelone. Une très belle équipe. Putain, par contre. Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Benzema, Vela, Daniel Vest, Piqué, Jordi Alba, le... Cardin de Barcelone, je ne sais plus. J'ai un trou. Donc on a pratiquement l'équipe de Barcelone. Attendu, ce sera un peu comparé au premier match. Mais bon, si on perd, tant pis. Hein. On continuera la série quand même. Hein. Jusqu'à temps qu'on gagne la coupe, de toute façon, on continuera la série. Bon, il lui manque quelques joueurs. Hein. Il manque un Messi. Ouais, quand elle est loin comme ça ou... il a combien de vitesse son joueur là? Wesh. Bon allez, on se reprend là parce que... Là, il nous a fait très mal dès le début. Allez, montez les mecs, montez. Alors, faut savoir aussi que j'ai un peu de mal encore avec le jeu.
Allez, Ezekiel! Allez! Ah, dommage, j'avais fait l'amour avec Ezekiel un petit peu. Hop, allez! Et oui! But de. Je sais pas son nom. La petite animation avec le poteau de corner. Bim! Donc, c'est un joueur toulousain. Hein. Je connais pas trop son nom. Je vais annoncer chez nous. Je le mettrai en annotation. Qui est très amoureux, vous le voyez là. Martins Braithwaite. Je sais pas comment on dit. Mais il est très très bon. D'ailleurs, je viens de remarquer que la Kinect est allumée. Et de tout ça se trouve, le mec il se dit Qu'est-ce qu'il fait? Oui, je fais une vidéo, monsieur. Il est passé sur ma chaîne. Et alors? Bien, j'ai. Bah, tu dis. Bravo quand je le t'aide, mais tu dis. Ah, là, il est parti me buter. Donc, on va faire un truc vite fait. Non, 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 pas là-dedans, pas là-dedans. Vite, 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 vite. Je vais enlever la Kinect. Bim. Voilà. Et on retourne dans le jeu. Oui, j'ai désactivé la Kinect, je sais. Donc voilà, j'ai enlevé les Kinect, comme ça il nous entendra plus. Le mec, il se dit, en même temps, il est parti enlever le son de la Kinect direct. Je vais peut-être me casser les couilles avec la Kinect. C'est bon, je l'ai désactivé, t'inquiète pas. Des craintes. Pourquoi tu peux jouer aussi, hein. Tu sais que le chrono, j'ai dit, le chrono il tourne pas, mais si, il tourne. Mais c'est quand il veut, quoi. Voilà. Ah, il joue pas, d'accord. Ah si, c'est il joue. Non, bon, bah, on va en profiter, écoutez. Hein. Il joue pas. Oh, la double pèse. Ou la double pèse. Bon, le mec il joue pas, c'est pas très top. On va voir s'il joue encore après. On va voir. On va voir s'il joue. Hein. S'il joue pas, bah écoutez, je sais pas ce qu'on fera. Mais on le fera. En mieux, s'il joue pas, on fera un ellipse et on va relancer un match. Bon, du coup, moi ça monte mes stats, hein, écoutez. Il joue pas, sérieux. Mec, allô? Allez! 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 Champion! Si t'es champion! Allez! Non, il joue pas du tout! Bah écoutez, on va faire une ellipse! À moins que si ils y reprennent au bout d'un moment, je reviendrai vers vous. Mais si il joue pas, bah écoutez, on va. Ouais, c'est trop simple du coup. Bah écoutez, ouais, on fait une ellipse. Ah. Donc voilà, on est revenu. Il joue, mais les potes. Bon, j'ai mis 4 buts, mais il joue. Et il rejoue. Donc on peut reprendre le match, tranquille. Hein, comme si de rien n'était, alors qu'il est pris quand même 4-0, mais bon. Et Ezekiel l'avait dit. Bon, le match pour l'instant, voilà, 5-0 à la 18ème minute, le pauvre. S'il rage qu'il, je le comprends. La musique énorme aussi, son côté gauche, comme d'habitude. Bien joué, Gourcuff. Ah, dommage. Il joue pas, sérieux. Il joue. Allez, on récupère la balle, allez. On presse. Et frappe. Ah, on attendait une petite frappe. Oh, la Vizzi! Ah, mais la Vizzi, il est énorme. Je vous le dis, franchement, si vous avez moyen de le prendre, prenez-le, il est énorme. C'est vrai qu'il n'est pas, pas donné, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de crédit. Mais il est franchement énorme. Après, c'est pas ce que vous voulez. Et ce joueur aussi, prenez-le, franchement, il est énorme. Regardez ce qu'il me fait. Ah, je le rattraperai pas. Ah, oh, GG le tacle.
Ça, c'est du tag de compétition. Bon, il n'est pas très très fort. Hein. Comme adversaire, faut dire ce qu'il est. Vous voyez que je me promène un petit peu chez lui. Et voilà! Et encore un but de Braithwaite. Désolé si je prononce mal pour les Toulousains. Bon, 6-0 à la 30e par contre. Il a marqué combien de buts? Je crois que ça lui a fait un triplé déjà ce jeu. Mais je vous dis, il est énorme, franchement. Au départ, j'avais mis Cavani, moi, à côté de la casette. Et franchement, je préfère largement ce joueur. Je l'ai vu là-haut, regardez-moi l'appel qui m'a. Ah, ben. Ah, j'ai tenté le lob. Ah, j'ai été comme. Ouais, si Rashkic, je comprends. Ouais, c'est normal. C'est normal qu'il Rashkic. Ça fait combien de temps de vidéo du coup? Bah écoutez, franchement, pour une première vidéo, hein, pour vous faire découvrir un peu la série, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça, c'est une vidéo très courte, je suis désolé. Hein. Vraiment très très court. Il a marqué combien de buts le. Mais c'est 4 buts de Bray White. Bon, en même temps, les mecs ils jouaient pas. Hein. Donc j'en ai profité. Hein. La casette a marqué combien de buts? 0 buts, d'accord. Il a fait juste une passe D. Ouais. Dommage qu'il jouait pas au début. Alors, je presse peut-être que je lui ai cassé les oreilles. Casser les oreilles, tout simplement au départ. Bon, il a racheté, du coup, ça me fait moins de crédit pour moi. Tant pis. Et franchement, cette petite équipe entre guillemets pardon, parce qu'il y a des joueurs qui coûtent assez cher, on va dire. Par exemple, on va aller voir. Hein. Je vais allonger un peu la vidéo comme ça vous fera pas une vidéo trop courte. Vous pouvez voir. Là, j'ai marqué 4 buts avec, donc vous voyez, je suis à 2 matchs, 5 buts. Donc j'étais à 2 matchs, 2 matchs, 3 buts. C'est ça, je me trompe pas. Si je ne sais plus compter. Bah non, j'avais marqué qu'un but avec. Ah oui, j'avais fait un but, pardon, excusez-moi, pardon. J'avais fait un match, un but avec. Donc écoutez, c'est pas trop mal. Mon petit Lacazette aussi que j'aime beaucoup. Je fais longuer un peu la vidéo comme j'ai dit. Bon bah la Vizzi, pardon, c'est pareil, hein. C'est un monstre. Lucas, il est bon techniquement, il a les vitesses donc c'est cool. Bon passeur aussi, hein, pas trop dégueulasse. Donc voilà quoi, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la série vous plaira. Désolé hein, pour la vidéo qui dure pas très très longtemps. C'est pas ma faute, le mec a pas joué donc. Bah écoutez, si, ouais, on va refaire un match. Parce que là, je viens de penser qu'il y a des moments où je vais couper. Donc, ouais, si, on va refaire un match. Désolé. Désolé. Bon, mais du coup, on va prendre. Est-ce qu'on reprend la même? Bon, ouais, écoutez, non, on va prendre l'autre. Hein. On va prendre la Serie A. On va tester Cuadrado et Vidal. Vidal que j'ai dans la pack, Cuadrado que j'ai acheté. Donc voilà, on va pire, vas-y, c'est parti. On va faire le deuxième match. Hein. Hop, donc voilà, je vais faire une ellipse, c'est content qu'on trouve un joueur. Donc moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on a trouvé un joueur, les potes. J'ai le maillot de l'équipe de France. Il joue en 4 défenseurs, donc c'est rassurant. Il y a une bonne note, attention. Mandzukic, Vela, Pedro, Kroos, Rakitic. PP Miranda contre O. Ouais, une bonne petite BBVA, franchement, pas moins de kitsch. Bon, s'il compte faire des centre-têtes, faut oublier hein, sur le FIFA 15. Désolé si j'ai des petits yeux, j'ai l'impression que j'ai les yeux qui se ferment. Je suis là, c'était hein, je commence à être un peu fatigué. Il est 2h moins 20 du matin, donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, bon match à vous, les potes. Allez. Sur cette interception. Ah dommage, dommage, dommage. Or j'ai eu mon pote. Eh oui, t'es or j'ai eu. Il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur FIFA 15, donc j'espère que ça sur FIFA tout court, je veux dire. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaira tout ça. Or jeu encore. Donc voilà, j'espère que le retour des vidéos FIFA. Ah, je dis pas que j'en ferai toute l'année, hein. Je sais pas hein, comment ça va se passer d'ici là. J'ai bien envie aussi de continuer genre les petites vidéos découvertes. Par exemple, là il y a The Crew qui va sortir dans quelques mois. Je vais. Ah non, j'ai arrêté le pressing. Ouais, c'est ma faute. J'ai fait une erreur défensive. J'ai arrêté le pressing sur Bella.
Je pensais que c'était bon, mais pas du tout. Ah, c'est de ma faute, c'est ma faute. Donc ouais, comme je dis, il y a Zucrou qui va arriver bientôt, je l'ai précommandé. Ceux qui le savent. Allez, Evra. Allez, Patrice. Allez, Barbeau. Montre-nous que tu cheats. Arbeloa qui bouge les barbeaux comme ça, quoi. On bouge, on ne bouge pas, genre cheat, les potes. Non, mais... C'est quoi, ça? Et aussi, il y a une série, normalement, qui devrait arriver... Oh, c'est quoi cette passe? J'ai fait de la merde. Une petite série qui devrait arriver très prochainement avec Alpha. Allez, toi, t'es 5 étoiles, montre-nous. Ah putain, pourquoi il joue en défensif, lui, je crois. Donc ça va être tendu. Donc on va essayer de jouer plus en passe. Voilà, hop, hop. Hop, on a le BY aussi. Non! Dommage, dommage. Je crois qu'il était en jeu. Ouais. Donc ouais, il y a une série qui va arriver en 2v2 avec Alpha. On en parlait déjà l'année dernière, on voulait faire une série. Mais comme le jeu nous avait un petit peu dégoûté, même si il y a des trucs chelous. On a déjà testé avec un autre compte qu'il a, le 2v2. Bon, il y a des trucs très chelous qui nous arrivaient. Mais vraiment très chelou, il pourra vous le dire. Allez, on va jouer en passe. Ah, attends, j'ai tenté dans le petit trou. Pas passé. Allez, ça lag un petit peu, j'ai l'impression. Non, j'aurais pas dû revenir. Quelques petites erreurs. Eh, profite de la vitesse de vélo. Il a que ça, mais les centres têtes, c'est pas ici que tu les mettras. Donc je t'élimine. Allez, saut. Allez, saut. Tu m'as dit, Zizou m'a dit que t'étais fort. Il y a faute, là. Il l'a mis en corner, là. On est bien d'accord. Écoute, je crois qu'il y avait une petite faute sur saut, hein, les potes. Hein. Mais, monsieur l'arbitre. Hein. Voyons voir. Ah, on voit pas. Ah, il y a même pas corner. Ça, pour moi, c'était lui qui l'avait mis. Hein. Dehors. Donc, allez. GG. Bien joué, bro. Allez. Allez, l'enrouler. Oh là 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 là. J'ai à peine appuyé, quoi. J'ai du mal à me créer des occasions. Des occasions franches, on va dire. À part les petites frappes de loin que je tente d'enrouler et tout ça. Allez, défoncer. Oh putain. Ouais. Ouais, mais j'ai une défense, mec, s'il te plaît. Respecte-moi un petit peu. En plus, ce qui est bien, Kibarbo, déjà qu'il était cheat avant. Cette année, en plus, il a 4 étoiles, donc c'est encore pire. Encore plus abusé qu'avant. Et c'est que du bénéf pour moi. C'est vraiment que du bénéf, parce que du coup, ça me fait un bon BU dans ma série A. 4 étoiles, avec les techniques et tout. Ah, il va pas m'attaquer, enfoiré. Ah, la passe dans le dos, qu'il faut pas. Axel, allez, mets ta tête. Oui. Et le but de Sao. C'est un magnifique travail d'Ibarbo. Vous voyez que les 4 étoiles d'Ibarbo servent. Parce qu'il est. En plus il est rapide hein, dans ses gestes, c'est ça qui est bien. Là, petit Axel, petit centre pour Sao. Quoi, c'est Sao, c'est ça. Allez, j'ai oublié aussi que j'avais Quadrado à droite. Faut que j'en profite. J'ai mon MOC qui est 5 étoiles, mon milieu droit aussi qui est 5 étoiles, donc faut que j'en profite. Faut que j'en profite. Ouais, du coup, on va y aller du côté. La roulette à Zizane qui est pas passée. Ah, qui est passée, mais qui m'a gêné derrière en fait. La frappe!
Allez, Barbeau, mets ta tête. Ah, dommage. Je trouve que les skills aussi, c'est un grand kiff cette année. Je trouve qu'ils passent tellement crème. Ah, dommage. Je voulais me retourner, j'ai pas pu. Il cherche la profondeur. Où est le LBY plutôt. Alors, je t'ai dit que j'avais une défense, mec, s'il te plaît. Respecte-moi. Hey, c'est où? C'est contre-favorable? Non! Ouais, j'ai fait le con. J'aurais dû me mettre le petit plat du pied, mais. Dommage, dommage. J'aurais dû direct avec Kibarbo. J'ai eu un petit contre-favorable qui m'a bien servi. On va pas se plaindre. Allez. C'est tendu quand même ce match. J'ai du mal à passer. Il a du mal à passer aussi. Voire pas du tout en fait. Il passe limite pas du tout. J'ai une très bonne défense. Allez, Keita! Ah putain, dommage que ça m'a désélectionné Keita. J'aurais pu lui foncer dessus pour récupérer le ballon. On va lui remettre. Ah bah, il va profiter de la vitesse de Pedro. Qui est rapide. Il va tenter un centre-tête encore. Tu ne passeras pas avec tes centre-têtes, je te dis. Au compte Cuadrado, si tu peux monter, ce serait cool. Voilà, tu l'élimines. Ah, dommage! Dommage, dommage. J'aurais dû anticiper qu'il allait tacler. Kaïsé, oh, mais ah, pourquoi c'est encore le gars mon gardien qui. Il faut que je change, tu vois. Du coup, je vais mettre lui. Dommage, j'ai cru que j'allais là-bas. Pendant un moment. On était de se prendre un but à 45 et j'ai. Très, très, très compliqué pendant ce match. Il a. D'accord. Il a marqué un but, mais il a pas tiré. Faut m'expliquer comment qu'il a fait. Hein. Ouais, pareil, vous voyez. J'ai tiré 6 fois, mais. Non, c'est pas ce que je voulais pas. J'ai tiré 6 fois, mais j'ai cadré qu'une fois. Donc c'est un peu tendu. Il m'attaque pas donc j'en profite. Il est pas très bon mais il est pas très très fort non plus. Hein. Les gardiens, fais pas de boulettes s'il te plaît. Merci. Parce que les gardiens font pas mal de boulettes. Même si j'en ai pas non plus énormément perso par rapport à d'autres personnes qui se plaignent énormément des gardiens. C'est vrai que j'ai vu quelques boulettes. Et j'en vois pas non plus énormément. Et c'est vrai que des fois, ils font des trucs chelous les gardiens, mais vraiment chelous. Donc c'est vrai qu'un petit patch, je dirais pas non. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez des gardiens. Comme là, il commence à sortir, après il s'est rétracté. Non, non, pas de conneries, merci. Allez, Cuadrado, monte ta vitesse. Voilà, petite fin du pêcheur. Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Pouh! J'ai fait mal! J'ai fait mal avec Cuadrado! Mais il est énorme ce joueur! Il est énorme! Il coûte cher, mais qu'est-ce qu'il est énorme! Putain! Ah, j'ai fait l'amour! Allez, scoop turn, Ronaldo chop, et on frappe. Il est énorme ce joueur! Si vous avez les moyens, prenez-le direct! Franchement, il coûte assez cher. Je sais plus combien, je crois qu'il est dans les 30 000. Mais il est énorme. Vous voyez ce que je viens de faire avec quoi. Si vous maîtrisez un minimum les gestes techniques, vous allez vous faire plaisir. Il est rapide, technique, agile, tout ce que vous voulez. Il est tout ce que vous voulez. Il est vraiment énorme. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Quand j'ai barre un coup, je suis en train de dessécher. Allez, le nain, là, je sais pas qui t'es. Je crois que c'est So. Ouais. Ouais, il a failli la prendre, le. Allez, le nain, il a failli la prendre, hein. Eh, malgré sa taille. Non, non, non. Ouais, je vois les torches. Il a trouvé une petite faille dans ma défense. J'ai eu
J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, hein. Les premiers matchs, même je l'ai dit sur Twitter, j'ai trouvé des trucs chelous dans ce FIFA, mais en fait c'est vite que j'étais pas habitué au jeu tout simplement. Mais en fait dès que vous avez fait quelques matchs et que vous commencez à prendre le jeu en main, ça roule tout seul. Franchement, si vous maîtrisez un minimum le jeu et que vous avez un minimum d'heures de jeu sur les FIFA, honnêtement c'est moyen. Par contre là, voilà, merci. Il est physique en plus, hein. Je suis en train de l'énerver, je suis en train de l'énerver, je vais rendre la balle. Oh la petite talonnade! Ouh que c'est beau ça! Ça c'est beau ça! Je sais pas, c'est qui a fait la petite talonnade? Je crois que c'est So qui a fait la petite talonnade, elle est magnifique. Ce but est magnifique. C'est qui marque du coup? C'est qui lui? Qui tue? Ah, regardez-moi la petite talonnade, regardez. Hop là! Magnifique. Et derrière, bah, il a juste à finir, le gardien il bouge même pas, il peut même pas l'avoir. C'est. Putain, c'est qui? C'est Barbeau? Je suis con. Eh oui! C'est Barbeau, c'est une passe de. Talonnade de saut, je crois. Non, pas de saut, de. Peut-être de. Mon 5 étoiles, mon autre 5 étoiles. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'il est énorme ce joueur! Scoop turn! J'ai vraiment cru que j'allais passer collecte des scoop turn! Mais il est énorme ce joueur! Franchement, achetez-le, il est énorme! En plus, c'est comme je vous dis, si vous maîtrisez un minimum les gestes techniques, ça fait tellement mal. Ah, c'est dans le titre de la vidéo, j'avais marqué Cuadrado fait mal. Un truc dans ce genre-là, parce que c'est il fait tellement mal ce joueur. Ah, les coups francs, par contre, je suis pas spécialiste. Ouais, on va faire tirer Cuadrado. Il a fait un festival, c'est lui qui a provoqué la faute. On va tenter. Oh, si je mettais le coup franc en plus, c'était tombé. C'était fini, c'était fini. C'était fini pour lui. Allez, on se concentre. J'ai la défense. J'ai ça. On m'en a eu deux. On redemande une deux. Ah, j'allais redemander une deux encore. Il va la mettre en bas. Il va revenir dans l'axe. Si vous voulez centrer. Non, il va revenir dans l'axe. C'est prévisible. Ah, c'était bien là, lui. J'ai eu du mal avec la vitesse de Pedro. J'ai eu du mal à aller sur lui. C'était pas évident. Allez, mets ta tête. Alouette. Allez, saut. Allez, Keita, tu cours. Tu cours, passement de jambes. Fin de tir, tu centres. Allez, tu mets ta tête. Et voilà! Mais il est abusé ce joueur! Je vous dis qu'il abuse. C'est Cuadrado encore? C'est Cuadrado, hein, je crois qu'il marque. Oui, c'est ça, c'est Cuadrado. Mais ce joueur est énorme! Entre lui et Barbeau, mais c'est un film de cul! Je crois que je vais renommer ma team film de cul. Parce qu'elle est abusée, franchement, cette équipe. S'il y avait moyen de la faire, elle est abusée. Non, non, tu vas pas tirer, tu crois, t'as cru que. Team Alonas. Manolas, pardon. Dédicace à. Dédicace à Ronny qui a fait une. Ah, il va racheter. Dédicace à Ronny qui a fait une affaire de jour dessus, donc. Voilà. Bon bah dommage de rage quitte. Un but d'Iberbo, un but de Sow, deux buts de Cuadrado. J'ai envie de vous dire, il est où le problème? Franchement cette équipe elle me vend du rêve. Cette équipe me vend du rêve. Elle est vraiment énorme. Cuadrado. Dribble réussi, on peut voir les dribbles réussis? 4 sur 10 seulement. Ouais, il y a des trucs bizarres quand même. Moi j'ai fait très mal, j'ai marqué un petit clip avec Cuadrado, donc en plus en live. Donc ça fait plaisir. On a bien fait de faire un deuxième match, j'ai envie de vous dire. Donc lui, voilà, il a une équipe sympa, mais je sais pas. Son équipe, il manque. C'est soit son équipe était pas top top, soit c'est lui qui était pas top top. Donc, en espérant que ça me déco pas. Attention, est-ce que ça va me déco? Non, ça va pas là. Parce que j'ai eu pas mal aussi de déco au début, c'est ça qui m'énervait un petit peu. Mais ça allait passer, c'est passé. Donc voilà, 6-0, 4-0
4-1, bon, sur deux rage quits. J'ai envie de dire, pour l'instant, on se fait plaisir. Hein. Hop, on va revenir en arrière. Bah non, on va rester là, écoutez. Je pose ma manette. Donc, ouais, j'espère qu'en tout cas, cette série vous plaira. Hein. Ça se trouve, on va la réussir du premier coup, hein, qui sait. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir, pardon, avec un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire de ce que vous pensez de la série. Pourquoi pas aussi des idées de noms pour la série, parce que j'ai pensant j'ai pas de trop de noms. On verra ce que vous me proposez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Prenez soin de vous. C'était Takafuse. Peace!